La 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 la. Lionel Messi. Il est malade ce sifflet là, ça va gros? Lionel Messi au PSG, c'est une dimension parallèle le truc, jamais on aurait pu voir Messi avec le PSG, c'était n'importe quoi. Mais je l'avais quand même annoncé, évidemment. Bah, il y en a pas mal d'entre vous qui l'avaient remarqué, mais effectivement je l'avais prédit, j'ai joué un rôle majeur dans le transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, comme le montrent ces images. Bref, c'est également l'application sur laquelle vous découvrirez que Lionel Messi rejoint le Paris Saint-Germain, c'est dessus que vous le saurez en premier. Mais comment peut-il savoir? En plus apparemment ils m'ont appris qu'il allait peut-être avoir Sergio Ramos et Lionel Messi qui allait débarquer au PSG la saison prochaine. Sera-t-il élu? Ça fait presque un an que je le dis, j'ai même annoncé Sergio Ramos. Et les prochaines recrues seront donc Paul Laville Pogba et Cristiano Ronaldo, voilà. Bon, la Ligue 1 a repris. Que vous soyez Lyonnais, Marseillais, Clermontois, comment on dit, que je sais pas comment on dit, moi je les connais pas moi en Ligue 1. Toulousain, etc. Après vous avez compris, Lionel Messi va vous tuer. Je suis désolé, vraiment, c'est terrible de dire ça, mais vous n'avez absolument aucune chance. Et c'est vraiment pas de votre faute. Là, on peut rien vous dire, vraiment. On peut que vous respecter. En tout cas, je vais vite arrêter de faire le mec, parce que le défi qui m'attend aujourd'hui est monstrueux. J'ai reconstruit la nouvelle équipe du PSG sur FIFA 21. Et l'objectif, ça va être de marquer un but face à chaque équipe de Ligue 1, sans s'en prendre un seul. Et tout ça en mode légende, avec le mode compétiteur activé, qui est donc le mode le plus difficile que je puisse faire sur FIFA. Et on va commencer avec l'Olympique de Marseille. Le PSG qui est maintenant devenu l'équipe la plus cheatée de tout FIFA. C'est incroyable, vraiment, c'est fou de voir ça, quoi. Au fur et à mesure, on l'a vu, cette équipe grandir avec de plus en plus de stars. Et là, on est quasiment à l'équivalent du 11 de légende de FIFA, hein. C'est n'importe quoi, l'équipe. Ça veut pas dire qu'on va gagner la Ligue des Champions, bien sûr. Suffit pas d'avoir les meilleurs joueurs. Mais quand même, regarde ça. Lionel Messi, Mbappé, Neymar Junior. Mandanda. Oh non, le pauvre. Il va nous ressortir une de ses plus belles têtes de mec saoulé, Mandanda. Là, il va même pas jouer le match. Il va juste s'allonger devant le but, hein, c'est sûr. Mais regardez ça, putain, c'est mon équipe. On est parti, let's go. Bien sûr, tous les buts, j'ai oublié de préciser ça. Il faudra que ce soit un but à chaque fois avec Messi. C'est Messi qui doit marquer tous les buts. Je crois que j'ai jamais testé le mode compétiteur, là, qui est censé simuler les meilleurs joueurs du monde de FIFA, hein, quand même. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça devrait être impossible, hein, normalement. J'ai oublié de vous dire, mais si je me prends un but, je dois recommencer pas juste le match, je dois recommencer les 20 équipes de Ligue 1. Ok. Mais voilà, putain, Sergio Ramos, le patron. En même temps, Sergio Ramos, il est pas là pour réfléchir maintenant. Il est là pour tacler. Il a plus le temps, vous savez, maintenant, il a fait ses preuves, Sergio Ramos. Hein. S'il faut se prendre un carton rouge, il sent pas un petit peu les steaks, on va dire. Ok, on est reparti. Déjà, deuxième mi-temps, c'est bien trop long pour moi. Je voulais pas que le match dépasse la première mi-temps. Hein. Oh, la récupération. Mais Sergio Ramos, c'est trop fort, en fait. Le mec découvre que Sergio Ramos est trop fort. Attends, mais Lionel Messi, c'est qui lui? Il joue vachement bien au football, hein. Un peu là. Il sait pas pourquoi je fais ça. Oh, il est passé! Il est passé, Lionel! Voilà mon Lionel! Voilà mon Lionel! Hop là, bam! Ouais, bah c'était logique, hein. Mickaël Cuisance! Attends, Mickaël Cuisance? Je crois que j'ai vraiment pas trop suivi l'actu de l'Olympique de Marseille. Qui est Mickaël Cuisance? Non, parce qu'un nom pareil, c'est vraiment un cuisant échec! Dimitri Payet! À sa place! Bah, je serais sorti bien plus tôt! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On a rien vu. Allez, tac, 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 recommence le match. Ça manquait un peu de cohésion, c'était le premier match, tout ça. J'étais un peu jet lag de l'arrivée de Messi, tu vois. Oh, je suis désolé. Il m'a saoulé, il protégeait trop la balle, il était trop des passes en retrait là. Oh non, je suis désolé, monsieur l'arbitre. Non, mais j'avoue, j'ai un peu déconné. Marco, le carton rouge pour le premier match. Sergio Ramos, il est où Lionel? Je cherche Lionel. Lionel? Je le trouve pas, il est là! Messi! Le premier but de Lionel Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain! 1-0 face à l'Olympique de Marseille! Qui est éliminé de la Ligue 1! C'est la nouvelle règle! Si je prends un but de Messi, paf! On remplace ton équipe! Attaque 91, milieu 83, défense 80. C'est le truc le plus cheaté que j'ai jamais vu, je crois. Je crois que la seule attaque 91 que j'ai déjà vue, c'était Bayern Munich 91. Voilà, putain, allez, je suis chaud! Allez, à qui le tour? Monaco, c'est parti! Le numéro 98, Achraf Hakimi! Ça n'a aucun sens, c'est le numéro. Le numéro 128 bis. Le numéro 12732, Lionel Messi. C'est joli, c'est magnifique. Mbappé qui conserve, malgré cette roulette vraiment ridicule et nulle. Oh, c'est nul là ce que je fais, hein. C'est quand même claqué, gros. Allez, Mbappé, let's go. Il est parti, le Lionel. Regardez-le, il gambade. Et paf. Allez donner dans le bon tempo, bien sûr. Et la frappe de Messi. Go, Lionel Messi. Il a mis le coup de pied dans le corner. Il a laissé sa carte de visite au gardien. Monaco éliminé. Ah, le suivant va prendre un petit peu cher, je pense. Clermont, enchanté, bien sûr, bienvenue en Ligue 1. Allez hop là, Mbappé, Lionel Messi, tac, terminé. Oh putain, il était énervé celui-là quand même. Quand elle est retombée la frappe. J'avoue, quand j'ai tiré n'importe comment, je me suis dit, vas-y là gros, là t'es en train de forcer. Et j'ai vu la balle retomber comme ça, je me suis dit, ah, qu'est-ce que se passe-t-il? Je crois que j'ai Lionel Messi en fait. Tac, tac, frappe en haut les deuxième poteau. Oh là là, mais... J'ai cru que ça partait à Lucarne. Bon, quand même, je fais le mec, mais je rappelle que si je me prends un seul but, je vais devoir recommencer les 20 matchs. Hein. Tu vois, genre là, une petite erreur défensive comme ça, une petite erreur d'attention, une petite erreur d'arrogance même. Oh là là là, non, c'est... When you try your best, but you don't succeed. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut?
Angers, but d'Angers. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? C'est la révolte de la Redbox ou quoi là? La Redbox. C'est triste parce qu'il y a personne. Il y a peut-être Mastu qui va arriver, ou Jordan, ou Neoxy, ou Vodka. Non, il y a personne. Pourquoi j'ai inventé ce défi? C'était bien juste de mettre des buts comme ça et puis d'enchaîner toutes les équipes et puis voilà. Là, dès que je me prends un but, je rappelle, je dois tout recommencer. On est reparti. Paris-Marseille pour Mbappé. Il prolonge sur Lionel Messi. La frappe de Messi première, attention! Là, le pétard qu'il a envoyé, qu'est-ce que c'est que ça? Arrêt de Steve Mandanda, mais... Est-ce que vous vous rendez compte qu'on va certainement entendre ça quand même cette année, hein? La passe sur Mbappé. Tout, il met son pied là-haut, lui, là. Il a cru son corps, c'était une grue ou quoi? Je suis nul. Enfin, en fait, je suis éclaté. C'est toujours le même constat au final. Hein. Chaque fois que je fais un défi, je commence, je suis chaud et tout. Je me dis, ouais, tranquille, ça va être un bon défi, ça va être sympatoche. Puis au bout de 10 secondes, je me dis, mais en fait, t'es éclaté, gros. Pourquoi t'as fait ça? Oh la frappe. Lionel Messi! Il a envoyé une frappe tout droit d'Argentine! Marseille éliminé! D'accord. Ok. Allez, bienvenue en Ligue 1, Messi. Ne pleure pas, ne pleure pas. C'est vrai que ça, c'est un geste courant dans le milieu de la Ligue 1, mais ne t'inquiète pas. Oh là, qu'est-ce que... Mais putain, mais c'est un truc de ouf, je vais en avoir pour combien d'années, là? Mais je vous dis, d'un coup, genre, ils pètent un câble, ils font ta ta ta. Tu te prends un but, tu sais pas comment. Non, mais il va l'avoir, là? Non, mais attends, mais on est où, là? Mais excusez-moi de vous déranger, là, mais c'est un scandale. Oh, joli, c'est Verratti. La récupération, la contre-attaque est partie. Avec Lionel Messi, l'appel, il est pas du tout hors-jeu, et il va passer devant. Bah sinon, je comprends pas pourquoi je l'ai recruté. Si Lionel Messi ne passe pas devant Camara, je comprends pas, là. Allez, Messi, tu passes. Oh oui, il est passé. Lionel Messi. But de Lionel Messi. Marseille, éliminé. Pour la cinquième fois. Je commence à... J'ai rien à dire en fait. Après, il y a le fait qu'il fait 30 degrés aussi, ça aide pas trop. Hein. Je veux dire, j'ai mal à la tête. Hein. Et hop là, le Parisien est chargé des petites excuses alors qu'il a la meilleure équipe du monde. Il se fait pas chier celui-là, non mais. Attends, je me prends des hippos. Bon, là, je vais vraiment. Mais c'est. PSG. Éliminé. Hop là, par-dessus sur Messi. Allez, direct. Allez, Lionel. Bang. Voilà, 2 minutes 16. Marseille éliminé. Allez. Bang! But de Lionel Messi! Monaco éliminé! Verratti, oui, Lionel Messi, hop! Le pied gauche de Lionel Messi! Le but de Lionel Messi! Lille éliminé! Attention, j'ai peur là, Putain, non! Mais est-ce que même j'ai un goal en fait? Je sais pas, genre vraiment, à chaque tir que je me prends, je me prends un but. Il a pas arrêté un seul tir, vous vous rendez compte? Je suis en train de veiller, les gars. Je suis en train de péter un câble. J'étais vraiment d'hyper bonne humeur quand j'ai commencé la vidéo, genre Messi au PSG et tout. Là, je suis en train de péter un câble, hein, vraiment. Au final, même si je réussis ce défi, je me serais fait éliminer plus de fois que n'importe quelle autre équipe de ce défi. Mais gros, je me prends des buts. On a jamais vu ça. Le mec, il m'a mêlé le but du siècle, là, comme ça, regarde ça. Et paf, ça fait des chocs à pic. Là, c'est pas contre un ordi que je joue, c'est contre un extraterrestre, c'est pas possible. Ok, j'ai changé de tactique, je vais changer ma façon de jouer. Ça va révolutionner le football, là, clairement. Nope. Maintenant, j'ai changé un truc de plus. Là, c'est vraiment... Là, c'est la réelle révolution. C'est le futur, hein, je vous le dis. Hein. Là, j'ai envie de jeter le jeu, de ne plus jamais relancer ce jeu jusqu'à FIFA 22. Allez, dernier essai, mais putain, mais j'ai l'impression que plus je relance des matchs, plus ils sont nuls. Mais je crois que c'est même pas une impression, hein. Je pense qu'il y a vraiment un mec qui a codé ça pour te faire péter un câble. Plus tu joues, plus t'es nul à chier. Je deviens fou, les gars. Aidez-moi, je deviens complètement fou. Putain, hey, les tournages de vidéos en plusieurs fois, mais ça m'épuise. Ça ne mène nulle part, ce que je suis en train de faire. Ça fait quoi, là? 2h25 que je suis là. Je n'ai pas avancé vraiment la vidéo de... à partir de la deuxième minute de vidéo jusqu'à celle-ci. Aucune progression, même au contraire, j'ai régressé carrément. Mais écoutez, à demain. Voilà. À demain, si on veut bien. Let's go, je suis de retour. Et là, en vrai, je suis content. Je suis chaud parce que j'ai découvert ce qui n'allait pas. Et un truc qui n'allait genre vraiment pas du tout. Hein. J'ai compris genre pourquoi au fur et à mesure que je réessayais, j'étais de plus en plus nul. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, j'essayais de changer la tactique pour essayer de trouver la faille. Et en fait, ma tactique, c'était de presser, genre de mettre tous les joueurs au maximum du pressing et d'attaquer comme un malade. Et j'ai découvert que la bonne solution, c'était de faire absolument exactement parfaitement le contraire. Genre l'opposé total. Il ne faut pas presser, il ne faut pas attaquer, il ne faut pas se précipiter, il faut pas tacler, il faut rien faire. Ce qui fait que c'est très très chiant, infernal, mais ça marche. Genre là avant j'aurais essayé directement de combiner et d'aller marquer tout de suite pour me débarrasser. Mais non, il faut faire des petits trucs comme ça, vous voyez ce genre de petites choses là, qui a l'air totalement chiant. Qui est chiant, c'est pas juste ça a l'air. Tu vois là comme ça là, là on les presse mais genre parfaitement. Là ils sont perdus, normalement le goal, là il va dégager, il va paniquer. Regarde ça, bing. Je le connais par cœur, là, il va dégager, je te vois venir, là. Vas-y, dégage.
Et voilà. Là, genre là, il va falloir faire très attention. Voilà ça, mais normalement, c'est bon. Normalement, là, on peut encore défendre. On est bien, on est bien, on est bien. Et voilà. Alors là, justement, je vais vous dire. Là, vous voyez, j'ai voulu faire une passe pour me ressortir de ça. Il faut jamais faire de passe dans la défense. Il faut mettre des gros star shoots loin. Sinon, vous avez Dimitri Payet qui va vous manger le visage. Ça a pas très bien marché, hein. Vous avez vu ma technique, là, du coup, on a fait 0. Tac, la frappe enroulée. Oh, le poteau! Mais non, mais on va pas commencer. On va pas repartir sur de ce genre de choses. Mais c'est ça le problème, hein. Vraiment, c'est que contre l'ordi en mode légende comme ça, là. Il faut une patience, mais c'est même plus de la patience qu'il faut, c'est un bac plus 8 en patience qu'il faut clairement. Et moi, vous savez, la patience que j'ai sur FIFA, elle est quasiment inexistante. Si vous connaissez ma passion pour les tacles, et ça c'est clairement une preuve de non-patience. Il faut vraiment faire des études en patience. C'est des études où genre pendant 8 ans, tu ne fais rien, tu attends. C'est incroyable, hein. Je peux dire par exemple quand tu sors de tes 8 années là, t'as l'épreuve des balles. Hein. Oh, j'ai fait en l'air, je voulais pas du tout la faire en l'air. Bah ouais, là tu vois, j'aurais pu marquer un top but là, c'est dommage hein. C'est dommage qu'il faille marquer avec Messi quoi. Du coup, j'ai remarqué un peu aussi hein, ce qui se passe quand tu mets l'ordi en mode légende. C'est-à-dire que tu peux jouer avec Marseille et n'importe qui, il y a plus aucun sens, il y a plus aucun rapport avec Marseille hein. C'est juste en face une équipe de surhommes, de méta humains clairement, qui sont là pour te poutrer la gueule hein. Genre Messi versus à ma vie, il y a pas une seule fois où Messi va passer devant hein, c'est incroyable vraiment. Pareil pour les duels, il y a que Sergio Ramos qui peut réussir à avoir un ballon de la tête, c'est tout. Et puis oui, voilà, évidemment les passes ne ressemblent plus à des passes, c'est juste des ballons téléguidés vers l'adversaire, hein. Ça n'a plus aucun sens. Ah oui, il y a aussi en légende, bien sûr, il y a l'arbitrage qui devient complètement cassé. Déjà qu'il n'était pas en très bonne forme à la sortie du jeu, là l'arbitrage n'existe plus en fait. Il s'agit juste d'une entité divine qui veille au-dessus de l'ordinateur. Voilà, là vous voyez, j'avais récupéré, mais il préfère me péter la gueule pour continuer sa lancée. Là j'ai récupéré, mais ça ne change rien, vous voyez, quoi que je fasse finalement, ça ne change absolument rien. Allez, là c'est maintenant, Messi est parti, voilà, là il n'y a plus aucune chance de rater. C'est le but, poteau rentrant, et j'ai eu peur vraiment que ça rate. On est bon, là c'est bon, la machine est lancée, Marseille éliminé. Est-ce qu'il y a des Rennais dans les commentaires là? Écrivez-moi dans les commentaires d'où vous venez, pour quelle équipe vous êtes bien sûr. Vous savez que j'aime bien, je propose ça gentiment, et c'est juste pour le référencement, et pour déclencher des petites guerres comme ça, entre supporters évidemment. Ça c'est vachement bien défendu, tu vois, on l'a suivi comme ça, on a fermé les trajectoires de passe, on a tout bien fait. Kylian Mbappé, il est parti. Lionel Messi, il est pas en jeu. Lionel Messi, Rennes éliminé. Là, ça commence à aller vite, ça commence à encher. Oh, le tacle salvateur, peut-être. Oh, j'ai eu chaud de fou, là. Heureusement qu'il a taclé. Je l'avais vu, lui. Je l'avais vu, lui. Quoi? Mais pardon, mais excusez-moi, mais on peut en parler ou pas, là? J'ai pas compris la passe. Genre mes joueurs, ils ont vraiment décidé de ne pas la prendre. Elle était dans leurs pieds. Mais regarde ça. Attends, vraiment, s'il vous plaît, regardez cette passe. Il y a Sergio Ramos, Marquinhos sur la trajectoire. Navas, il couvre son premier poteau. Comment on se prend le but là? Oh, la lourdeur, franchement. T'es jamais à l'abri qu'il y a un truc, tu sais pas d'où ça vient. Tu peux rien y faire, mais tu te le prendras. C'est pour ça qu'éliminer genre 5 équipes d'affilée, ça peut le faire, tu vois. 10, c'est déjà vraiment chaud. Mais alors 20, ça me semble toujours impossible. Hein. Je pense que si je me concentre, ça peut le faire en vrai. Ça c'est vraiment genre le mec, il découvre, tu sais. Est-ce que si tu te concentrerais pas 2 secondes, ça améliorerait pas considérablement ta capacité de jeu? Pourquoi pas, hein. Oh, regardez ça! Pff, oh là 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 là! Vraiment, j'espère que sur FIFA 22, ils auront un peu amélioré l'IA des ordinateurs, parce qu'ils ne jouent pas au football. Personne ne joue comme ça au foot, c'est un scandale, c'est n'importe quoi. Pour moi, quand tu augmentes le niveau de l'ordinateur, ça devrait pas augmenter le niveau des joueurs. C'est-à-dire que tu joues toujours contre le RC Lens, quand même. Donc si le mec s'est pas tiré, il saura pas tirer non plus. Faut améliorer la manière dont ils vont jouer au football. L'intelligence de jeu, mais là, c'est pas de l'intelligence de jeu, c'est vraiment une mutation génétique hein, qui leur arrive. T'es chaud Lionel ou pas? T'es chaud ou pas? Fais-moi plaisir! Oh, Lionel Messi, le but de Lionel, incroyable! La talonnade en roulette, mais qu'est-ce que c'est que cette insolence, Lionel? Hop là, c'est humiliant. Allez, RC Lens, éliminé! Ça me déprime de voir qu'en fait, il m'en reste encore 18 d'affilée à faire. Par-dessus sur Lionel, allez, la reprise de Lionel, même la tête de Messi! La tête de Messi! C'est impossible! C'est absolument impossible ce que vous venez d'entendre, la tête de Messi! Tac, bang! Merci bien d'être venu, Brest! Le stade brestois éliminé! Mais regarde ce qu'ils font, genre, c'est des masterclass qu'ils font chaque passe, c'est genre la passe du siècle, c'est incroyable. Les mecs, ça devient tous des Iniesta, tous des Ronaldo, tous des Ronaldinho et tout, en même temps. Vous avez une rage incroyable! Ah putain, je joue bug, j'avais oublié ça! Bien sûr que tu vas accepter et signaler, putain, ça fait 27 fois que je signale la même erreur, corrigez-la, putain! Oh, coup franc! Première fois, je vous jure, c'est la première fois que j'ai un coup franc. Bah écoute, on va tenter, hein. Avec Messi, ce serait beau. Ce serait le beau jeu. Allez, tac. C'est vert. But de Lionel Messi sur coup franc. Il est magnifique. Ça fait plaisir, ça. Voilà, la motive, là, elle revient. C'est un signe.
Messi, la frappe cheatée, peut-être la frappe cheatée de Messi. La lucarne de Messi face à l'AS Monaco en 6 minutes de jeu. Mais là, on enchaîne de fou. Non, ne Barça, machin, ne m'invite pas à jouer à Black Ops 4, là. Putain, ça y est, t'as le sonneur, perdu Messi, c'est de me déconcentrer, là, c'est sûr. Putain, si je me prends un but sur ça, je pleure. Allez, je me casse. Là, je vais partir fort, je vais partir vite. Je vais enlever ce gars-là de mes sous-amis, je vais le bloquer, je vais le signaler à PlayStation. Est-ce que c'est clair? Tu viens de me faire perdre un défi sur lequel je suis depuis 2 jours. Merci bien. Ciao. C'est parti, 4e jour. Bon, je vous avoue que j'ai eu une période sombre, hein, depuis la dernière fois que vous m'avez vu. Bon, de vrai, j'ai hésité à tricher. Voilà, je suis désolé. À un moment, je me suis dit, bon, en vrai, là, je viens de me prendre un but, je viens d'enchaîner 13 équipes. Le but, il était vraiment abusé. Est-ce que je recommencerai pas le match sans vous le dire? Hein. Et là, je me suis dit, c'est mort! Je pourrais pas sortir une vidéo comme ça où, au fond de moi, je sais que j'ai pas réussi le défi. Ce serait clairement de l'arnaque, de l'escroquerie. Si j'y arrive pas, c'est comme ça, hein, je devrais assumer, quoi. Oh, y a pas penalty. Oh là 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 là. Par contre, pourquoi il a encore la balle? J'y ai jamais été aussi saoulé par un défi de toute ma chaîne YouTube. Je vais pas assumer, hein. Clairement, si j'arrive pas, c'est pas possible. Hein. Et là, ça commence à devenir mauvais pour ma santé mentale, hein, donc il va falloir que je m'arrête. J'ai même plus de lumière, j'ai plus de place sur ma carte SD, j'ai plus aucune carte SD, j'ai rien, j'ai 10 heures de rush. S'il vous plaît, aidez-moi, soutenez-moi, envoyez les likes, envoyez les abonnements, là, je suis déprimé. Là. C'est officiel! C'est très très dur à dire. Vu tous les défis que j'ai réalisés sur cette chaîne, j'abandonne. Faut aussi savoir s'avouer vaincu. Je reprendrai ce défi à une seule condition. Je n'ai jamais fait ça. À 20 000 likes, je refais cette vidéo et je réussis ce défi, même si je dois y passer des semaines, ok? Voilà, s'il n'y a pas 20 000 likes, finalement, ça m'arrangerait un petit peu. Vous pouvez quand même vous abonner à cette chaîne YouTube, évidemment, et regarder juste là ou ici le plus gros défi de cette chaîne. Attends, là, je vous dis à bientôt, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!